Montesquieu. Pour le grand public, ce nom ne signifie rien. Pour les gens cultivés, il signifie quoi? L'esprit des lois. Mais ils ne l'ont pas lu. Personne ne lit Montesquieu. C'est un auteur qu'on ne lit plus. Dans l'édition de la Pléiade, cette sorte de bourse de valeur des classiques, les œuvres complètes de Montesquieu sont un des titres qui se vendent le moins. Montesquieu, c'est un monument historique. C'est un monument historique qu'on contemple de l'extérieur, mais à l'intérieur duquel on ne pénètre jamais. Nous allons aujourd'hui essayer de pénétrer dans ce monument. Nous allons essayer de voir ce qu'il y a derrière cette image officielle de Montesquieu, cette gravure tant de fois reproduite, ce Montesquieu couronné par les muses, hiératique, solennel. Quel est l'homme qui se cache derrière cette physionomie? Qui est Montesquieu? Au premier abord, c'est un personnage insaisissable. Au premier abord, Montesquieu, c'est un tissu de contradictions dans tous les domaines. Contradictions, en premier lieu, sur ses problèmes politiques, qui ont été ceux que Montesquieu a étudiés avant tout. Montesquieu, est-il démocrate, est-il conservateur? On l'attirait dans tous les sens, depuis l'esprit des lois et même depuis les lettres persanes. Sur le peuple, Montesquieu a d'abord porté des jugements très favorables. Dans le fond, le peuple a plus de vertu que ceux qui le représentent. Mais voici qui est déjà moins favorable. Les Romains, qui n'avaient proprement d'autre divinité que le génie de la République, ne faisaient point d'attention au désordre et à la confusion qu'ils jetaient dans la mythologie. La crédulité des peuples, qui est toujours au-dessus du ridicule et de l'extravagance, réparait tout. Enfin, voici le mépris du peuple, affiché ouvertement. Dans les États libres, le menu peuple est ordinairement insolent. On a beau faire, il n'y a guère d'heure dans le jour où un honnête homme n'ait affaire avec le bas peuple. Et quelque grand seigneur que l'on soit, on y aboutit toujours. Sur cette liberté, les mêmes contradictions se retrouvent. Il en a donné une définition admirable. Une définition que peuvent contresigner tous les hommes attachés à la liberté. La liberté, ce bien qui fait jouir de tous les autres biens. Mais peut-être notre admiration repose-t-elle sur un malentendu. Le seul avantage qu'un peuple libre ait sur un autre, c'est la sécurité où chacun est, que le caprice d'un seul ne lui ôtera point ses biens ou sa vie. Un peuple soumis, qui aurait cette sécurité-là, bien ou mal fondé, serait aussi heureux qu'un peuple libre. La liberté faisant naître souvent dans un état deux factions, la faction supérieure se sert sans pitié de ses avantages, et une faction qui domine n'est pas moins terrible qu'un prince en colère. Au reste, je compte pour très peu de choses le bonheur de disputer avec fureur sur les affaires d'État et de ne dire jamais 100 mots sans prononcer celui de liberté, ni le privilège de haïr la moitié de ses citoyens. Sur l'égalité, les contradictions sont analogues. Dans un texte célèbre, le plus célèbre, sans doute le plus connu de ceux qu'il a écrit, relatif aux Noirs et à l'esclavage, il semble bien prendre fermement position et énergiquement position sur l'égalité de tous les hommes. Si je vais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête. Et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Une preuve que les nègres n'ont pas le sang commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence. Non, il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que si nous les supposions des hommes, on recommencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes des chrétiens. D'ailleurs, de petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains, car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles,
d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié. Mais il s'agit en fait d'une égalité très relative, qui ne touche en rien aux inégalités sociales, aux inégalités de classe à l'intérieur d'une même race et d'un même État. Autant que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. Quoique dans la démocratie, l'égalité réelle soit l'âme de l'État, cependant elle est si difficile à établir qu'une exactitude extrême à cet égard ne conviendrait pas toujours. Car il faut pour lui essentiellement que les classes supérieures puissent servir de modèle, de guide aux classes inférieures. Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics. Et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la République romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout. Il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Comme nous voilà loin de l'égalité, au fond, dans toute son œuvre, on sent une volonté de défendre les privilèges de la noblesse, de cette noblesse à laquelle il appartenait, à laquelle il était très fier d'appartenir. Tout son système politique tend à maintenir les privilèges des nobles. Mais voici pire. Voici de nouveau ce ton de mépris que nous avons trouvé à propos de la liberté et du pouvoir populaire déjà. Il est dangereux de faire sortir de l'humiliation ce qu'un consentement unanime y a condamné. Il va plus loin d'ailleurs, car pour maintenir l'inégalité, il rêve d'une sorte de ségrégation dans l'éducation. Et très curieusement, ceux aujourd'hui qui défendent le latin et l'enseignement littéraire, barrière entre les classes, peuvent considérer que Montesquieu est un de leurs lointains initiateurs. Il est important que les gens d'un certain état soient élevés aux lettres. Mais il est pernicieux de tourner le peuple de ce côté-là. Alors, en définitive, est-ce un conservateur, est-ce un novateur, est-ce un homme de droite, est-ce un homme de gauche? On peut trouver dans son œuvre des textes parfaitement novateurs. Il faut changer de maxime d'État tous les 20 ans, parce que le monde change. Mais il a écrit aussi. Machiavel dit qu'il est dangereux de faire dans un État de grands changements, parce qu'on s'attire l'inimitié de tous ceux à qui ils sont nuisibles, et que le bien n'en est pas senti de ceux à qui ils sont utiles. J'ai encore une autre raison à donner, c'est qu'ils servent d'exemple et autorisent la fantaisie de celui qui voudra bouleverser tout en notant le respect qu'on doit avoir pour les choses établies. Il va très loin d'ailleurs dans ce sens, car pour lui, un abus établi vaut mieux que la correction de cet abus, ce qui est la définition la plus parfaite du conservateur. Telle est la nature des choses que l'abus est très souvent préférable à la correction, ou du moins que le bien qui est établi est toujours préférable au mieux qui ne l'est pas. La même contradiction se relève dans son attitude religieuse. C'est un anticlérical très nettement. Point de religieux pour les affaires. S'ils sont de bons religieux, ils entendent mal les affaires du siècle. Et s'ils entendent les affaires du siècle, ils sont de mauvais religieux. Sur les biens de l'Église, sur les biens matériels de l'Église, sa position à l'avance peut justifier les confiscations révolutionnaires. Lorsqu'on a voulu attacher des biens d'église à de certaines sociétés de pauvres, comme aux invalides, c'est-à-dire à des gens qui, outre la pauvreté, les blessures, ont encore la honte qui les empêche de demander le soutien de leur vie, l'Église s'y est opposée et a regardé cela comme une profanation. Et on a succombé et on a cru ces cris légitimes. Preuve évidente que l'on regarde les biens de l'Église non pas comme les biens des pauvres, mais comme ceux d'une certaine société vêtue de noir et qui ne se marie pas. Il ne semble ne voir dans la religion que son utilité sociale, quant aux mœurs individuelles d'abord, ou même son utilité sociale sur le plan de ce qu'on appellerait plus tard la défense de l'ordre établi. Comme la religion et les lois civiles doivent tendre principalement à rendre les hommes bons citoyens, on voit que lorsqu'une des deux s'écartera de ce but, l'autre y doit tendre davantage. Moins la religion sera réprimante, plus les lois civiles doivent réprimer.
Cependant, dans une page émouvante, il y a un véritable élan du cœur, un élan religieux qui se situe d'ailleurs en dehors de toute religion établie. J'avais conçu le dessein de donner plus d'étendue et plus de profondeur à quelques endroits de cet ouvrage. J'en suis devenu incapable. Mes lectures ont affaibli mes yeux, et il me semble que ce qui me reste encore de lumière n'est que l'aurore du jour où ils se fermeront pour jamais. Je touche presque au moment où je dois commencer et finir, au moment qui dévoile et dérobe tout, au moment mêlé d'amertume et de joie, au moment où je perdrai jusqu'à mes faiblesses mêmes. Pourquoi m'occuperai-je encore de quelques écrits frivoles? Je cherche l'immortalité et elle est dans moi-même. Mon âme, agrandissez-vous, précipitez-vous dans l'immensité, rentrez dans le grand être. Dans l'état déplorable où je me trouve, il ne m'a pas été possible de mettre à cet ouvrage la dernière main. Et je l'aurais brûlé mille fois si je n'avais pensé qu'il était beau de se rendre utile aux hommes jusqu'au dernier soupir même. Dieu immortel, le genre humain est votre plus digne ouvrage. L'aimer, c'est vous aimer. Et en finissant ma vie, je vous consacre cet amour. La même contradiction se retrouve dans sa vie privée. En apparence, c'est un bon époux, un bon père de famille, très rigide sur ses devoirs, qui a d'ailleurs des prises de position qui le mettraient aujourd'hui comme un activiste de la politique familiale et nataliste. Défendre de tenir des domestiques âgés de plus de 25 ans non mariés. Empêcher les parlements de casser aussi facilement les mariages. La jurisprudence étant telle que la plupart ne subsistent que parce qu'ils ne sont pas attaqués. Il faudrait donc que ceux qui sont nuls fussent célébrés de nouveau. Donner des privilèges à ceux qui auraient un nombre d'enfants, de certains honneurs au même, une place de magistrat dans chaque hôtel de ville à celui qui a le plus d'enfants, et faire payer à ceux qui vivent dans le célibat pour 12 enfants. Mais il y a un autre côté dans Montesquieu, un côté un peu polisson. Il a eu pas mal d'aventures, il est très visible qu'elles étaient beaucoup plus érotiques que sentimentales. Il s'attarde d'ailleurs parfois, curieusement, dans la description de tableaux assez suggestifs. Chacune de nous se prétendait supérieure aux autres en beauté. Nous nous présentâmes devant toi, après avoir épuisé tout ce que l'imagination peut fournir de parures et d'ornements. Tu vis avec plaisir les miracles de notre art. Tu admiras jusque où nous avait emporté l'ardeur de te plaire. Mais tu fis bientôt céder ces charmes empruntés à des grâces plus naturelles. Tu détruisis tout notre ouvrage. Il fallut nous dépouiller de ces ornements qui t'étaient devenus incommodes. Il fallut paraître à ta vue dans la simplicité de la nature. Je comptais pour rien la pudeur, je ne pensais qu'à ma gloire. Heureux Usbek, que de charmes furent étalés à tes yeux. Nous te vîmes longtemps errer d'enchantement en enchantement. Ton âme incertaine demeura longtemps sans se fixer. Chaque grâce nouvelle te demandait un tribut. Nous fûmes en un moment toutes couvertes de tes baisers. Tu portas tes curieux regards dans les lieux les plus secrets. Tu nous fis passer en un instant dans mille situations différentes. Toujours de nouveaux commandements et une obéissance toujours nouvelle. Évidemment, le tableau en question se passe chez les Persans. Mais ne trouvez-vous pas que Montesquieu manifeste une curieuse nostalgie de ses mœurs lointaines? N'a-t-il pas écrit d'ailleurs dans une phrase charmante? La vertu même a des limites. Et quel étrange jugement sur les rapports entre les hommes et les femmes. Sans la vérole, les honnêtes femmes seraient perdues. Tout le monde prendrait des courtisanes. C'est donc la vérole qui produit la galanterie. Arrêtons là ce tableau des contradictions de Montesquieu. Après tout, il ne signifie pas grand-chose. Tout homme est un faisceau de contradictions. Tout homme a plusieurs faces.
Le problème de chacun, c'est de savoir comment il surmonte ces contradictions. Et ce qui fait l'unité d'une vie, l'harmonie d'une existence, c'est cette méthode pour conquérir sa personnalité. Certains le font par l'alternance, en se jetant tantôt dans un excès, tantôt dans un autre. Ce n'est pas la méthode de Montesquieu. Il est de ceux qui résolvent leurs contradictions par une sorte de compromis entre les tendances contradictoires de base, par une sorte d'équilibre. Équilibre, voilà probablement un des mots qui caractérise le mieux Montesquieu. Montesquieu est avant tout un homme équilibré. Nous tenons là une des clés qui va nous permettre de pénétrer à l'intérieur du personnage. Cet équilibre, c'est d'abord en quelque sorte un équilibre naturel. Par une disposition de son tempérament, Montesquieu était un homme paisible, tranquille, heureux. Écoutez plutôt ce portrait qu'il a tracé de lui-même. Je n'ai presque jamais eu de chagrin, et encore moins d'ennui. Ma machine est si heureusement construite que je suis frappé par tous les objets, assez vivement pour qu'ils puissent me donner du plaisir, pas assez pour me donner de la peine. J'ai l'ambition qu'il faut pour me faire prendre part aux choses de cette vie. Je n'ai point celle qui pourrait me faire trouver du dégoût dans le poste où la nature m'a mis. Lorsque je goûte un plaisir, j'en suis affecté, et je suis toujours étonné de l'avoir recherché avec tant d'indifférence. J'ai été dans ma jeunesse assez heureux pour m'attacher à des femmes que j'ai cru qui m'aimaient. Dès que j'ai cessé de le croire, je m'en suis détaché soudain. L'étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture ne m'ait ôté. Dans le cours de ma vie, je n'ai trouvé de gens communément méprisés que ceux qui vivaient en mauvaise compagnie. Je m'éveille le matin avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Et tout le reste du jour, je suis content. Je passe la nuit sans m'éveiller, et le soir, quand je vais au lit, une espèce d'engourdissement m'empêche de faire des réflexions. Ne nous y trompons pas, d'ailleurs. Cette disposition naturelle au bonheur ne l'a pas empêché de faire face avec beaucoup de courage à l'adversité, car on oublie trop qu'il a été frappé de la pire, du pire des maux qui puisse frapper un homme, puisqu'à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Il a supporté avec un courage tranquille, sans forfanterie, avec un stoïcisme à l'antique, cette terrible épreuve. Quand je devins aveugle, je compris que je saurais être aveugle. Mais ne nous y trompons pas non plus. Cet équilibre n'est pas uniquement un équilibre naturel. Montesquieu a construit sa vie d'une façon harmonieuse. Il a voulu équilibrer l'ensemble de son existence. Il est très étrange, quand on jette un coup d'œil d'ensemble de très haut, comme il aimait le faire quand il visitait une ville, sur toute la vie de Montesquieu, de voir à quel point elle donne l'impression d'être composée. Oh, sans doute il y a eu du hasard, sans doute il n'y a pas qu'une composition, mais tout de même. Cette alternance entre la vie à la ville, la vie à la campagne, la vie en province, la vie à Paris, la vie sédentaire, les voyages. Si nous voulons voir et comprendre l'équilibre de Montesquieu, il faut d'abord le retrouver chez lui, dans cet endroit où il a passé la plus longue partie de son existence, sa jeunesse d'abord jusqu'à 11 ans, et puis finalement l'essentiel de sa vie d'homme, à La Brède, dans cette propriété qui était sa propriété de famille et qui, heureusement pour nous, a peu changé aujourd'hui par rapport à l'époque de Montesquieu. Les meubles, l'aménagement général, tout y est semblable à cette chambre que Stendhal a vue. Cette chambre montre l'extrême simplicité du grand homme qui avait compris les grands peintres d'Italie et pour lequel tout ornement bourgeois et mesquin faisait laideur. Cette chambre n'a qu'une fenêtre, à la vérité assez grande et ouvrant au midi. Elle est boisée en noyer d'une couleur point sombre et nullement majestueuse. La bibliothèque, elle, est un peu modifiée. Pièce immense et aussi simple que la chambre. La voûte en plein cintre est recouverte de planches peintes d'une couleur claire. La pièce peut avoir 50 pieds de long et 20 de largeur. Montesquieu aimait La Brède. Il aimait cette propriété qu'il avait aménagée à son goût.
Il l'aimait, sauf l'architecture du château. Je puis dire que c'est à présent un des endroits aussi agréables qu'il y ait en France, au château près, tant la nature s'y trouve dans sa robe de chambre et au lever de son lit. Il est curieux d'ailleurs de noter que, si Montesquieu n'aimait pas le château lui-même, c'est exactement le point de vue de Stendhal. J'ai aperçu un édifice sans façade, à peu près rond, environné de fossés fort larges, remplis d'une eau propre, mais couleur de café. Cet aspect horriblement triste et sévère m'a rappelé le château où Armide retenait prisonniers les chevaliers chrétiens qu'elle avait amenés du camp des croisés. À la Brède, qui est à 21 km de Bordeaux, qui se trouve au cœur d'une région de grands vins, les vins des Graves, Montesquieu a été vigneron. Il a doublé l'étendue des vignes de la Brède et il s'occupait énormément du commerce de ses vins. Il a même dit un jour, en forme de saillie, qu'il ne savait pas si c'était ses livres qui faisaient vendre son vin ou son vin qui faisait vendre ses livres. Notons en tout cas un détail amusant. C'est en Angleterre que Montesquieu vendait surtout son vin, ce qui peut peut-être expliquer son goût pour l'Angleterre, en dehors du fait qu'il était bordelais, et que tous les bordelais ont depuis fort longtemps une attirance vers l'Angleterre. C'est Michelet qui disait « Bordeaux, longtemps capitale de la France anglaise, est toujours restée plus anglaise que française de cœur. » Bordelais d'ailleurs, Montesquieu ne l'a pas trop été, car s'il a été premier président au Parlement de Bordeaux, il a résigné cette charge dès qu'il l'a pu, disons dès qu'il en a trouvé un bon prix, car les questions d'argent comptaient pour Montesquieu et il semble bien à certaines phrases de ses livres qu'il était légèrement avare. Après avoir ainsi résigné sa charge, il resta à la Brède, mais en coupant son séjour de fréquents voyages à Paris. Il y a même fait quelques séjours assez longs, notamment à l'époque où il préparait sa candidature à l'Académie française. Il n'a été élu que la seconde fois à cause d'opposition de nature plus politique que littéraire. Il a fait, en 1728 et jusqu'en 1731, toute une série de voyages. Et ça aussi est curieux dans Montesquieu. C'est que on a l'impression que dans sa vie, il se met à un moment à voyager à l'étranger, comme s'il y avait eu un plan de voyage à l'étranger, et puis ses voyages terminés, il rentre chez lui à la Brède, et il recommence à mener cette vie équilibrée, avec le port d'attache à la Brède, quelques voyages à Bordeaux, quelques voyages à Paris. En 1728, il a visité successivement l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas. En Italie, il a séjourné assez longtemps, et il a vu un grand nombre de petites principautés. La façon dont Montesquieu voyage est très caractéristique de Montesquieu. D'abord, il essaie, quand il arrive dans une ville, de monter sur un point élevé pour en prendre une vue d'ensemble, une idée générale en quelque sorte. Puis, il va se documenter dans toute la mesure du possible. Il va interroger les gens, il va essayer de prendre des notes, de prendre des chiffres. Il s'intéresse, pourrait-on dire, à la statistique. En même temps, d'ailleurs, il ne néglige pas probablement les aventures de temps en temps, encore qu'il n'y ait rien dans ses notes à cet égard. Il était très discret à ce sujet, mais on voit qu'il s'intéressait assez aux femmes des pays qu'il traversait. Il y a même une note amusante, très caractéristique de Montesquieu, une sorte d'explication sociologique du peu de vertu des femmes de Venise. Montesquieu l'attribue aux facilités considérables que donnaient à cet égard les gondoles vénitiennes, fermées, tranquilles, isolées. Il est certain que les carrosses étaient beaucoup moins pratiques à cet égard dans une ville. Il faudra arriver jusqu'au XXe siècle et aux voitures américaines pour retrouver les mêmes conditions que celles des gondoles vénitiennes. Montesquieu en voyage s'intéresse aussi beaucoup à l'art. Il est frappant d'ailleurs de noter que sa seule contribution à l'encyclopédie, c'est un article sur le goût. Stendhal, nous l'avons vu, a loué Montesquieu d'avoir un goût classique en peinture. Et en fait, ses goûts sont très classiques. Mais il déteste malgré tout l'uniformité. Une longue uniformité rend tout insupportable.
Le même ordre des périodes, longtemps continuées, accable dans une harangue. Les mêmes nombres et les mêmes chutes mettent de l'ennui dans un long poème. S'il est vrai que l'on fait cette fameuse allée de Moscou à Pétersbourg, le voyageur doit périr d'ennui, renfermé entre les deux rangs de cette allée. Et celui qui aura voyagé longtemps dans les Alpes en descendra dégoûté des situations les plus heureuses et des points de vue les plus charmants. Cet équilibre intérieur de Montesquieu, cet équilibre à la fois naturel et construit, il l'a transposé dans ses œuvres. Et sa théorie politique, c'est essentiellement une théorie du gouvernement modéré, du gouvernement équilibré. La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés, mais elle n'est pas toujours dans les États modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Et c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites, qu'il dirait. La vertu même a besoin de limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par une disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas et à ne point faire celles que la loi lui permet. S'il admire d'ailleurs le gouvernement anglais, c'est parce que c'est un gouvernement équilibré. L'Angleterre est à présent le plus libre pays qui soit au monde, et je n'en accepte aucune république. J'appelle libre parce que le prince n'a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit, par la raison que son pouvoir est contrôlé et borné par un acte. Mais si la chambre basse devenait maîtresse, son pouvoir serait illimité et dangereux, parce qu'elle aurait en même temps la puissance exécutive. Au lieu qu'à présent, le pouvoir illimité est dans le Parlement et dans le roi, et la puissance exécutive dans le roi, dont le pouvoir est borné. Il faut donc qu'un bon Anglais cherche à défendre la liberté, également contre les attentats de la couronne et ceux de la Chambre. Cependant, s'il n'y avait que cela dans Montesquieu, s'il était uniquement un homme équilibré, il n'aurait pas traversé les siècles, il ne serait pas arrivé jusqu'à nous. Après tout, d'autres gens, d'autres écrivains ont été des hommes d'équilibre que l'on a oubliés. Et l'expression de Montesquieu n'est pas tellement frappante, tellement percutante, tellement exceptionnelle que, uniquement, elle est suffi à lui faire traverser tant d'années. Ce n'est pas Montaigne, Montesquieu. Ce n'est pas Montaigne dont tout l'équilibre est l'explication profonde. Il y a donc autre chose. Mais quoi? Le fond de ces théories politiques? Non. Elles ne sont finalement pas très originales. La théorie du gouvernement équilibré, c'est une théorie qui traînait dans tous les auteurs depuis Aristote. Sa fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, la seule idée finalement que les gens un peu cultivés connaissent de Montesquieu et qu'ils utilisent plus ou moins bien, généralement mal, cette idée de la séparation des pouvoirs, d'abord elle n'appartient pas à Montesquieu. Il l'a empruntée à Locke, qui écrivait 58 ans avant l'Esprit des lois. Ensuite, elle a bien vieilli, elle a changé de sens. Quand Montesquieu écrivait, il s'agissait de séparer d'un pouvoir royal absolu un pouvoir du Parlement, il s'agissait de fonder en quelque sorte le pouvoir des représentants du peuple. Aujourd'hui, on utilise généralement la séparation des pouvoirs pour limiter le Parlement, pour augmenter les prérogatives de l'exécutif, c'est-à-dire l'inverse de ce que faisait Montesquieu. De toute façon, d'ailleurs, ce n'est plus le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème est de maintenir un certain équilibre entre le pouvoir économique, si puissant dans le monde occidental, et le pouvoir politique, pour empêcher que le second ne soit totalement dans la dépendance du premier. Ce que Montesquieu, d'une certaine façon, avait vu quand il écrivait dans une phrase qu'on ignore généralement, « Là où est le bien, sans les biens matériels, là est le pouvoir. » Non, vraiment, au point de vue des théories politiques, il a considérablement vieilli. Y a-t-il donc dans son œuvre quelque chose, une passion qui nous touche? Il n'y a qu'un seul sujet qui semble réveiller en quelque sorte Montesquieu, lui donner un style dur, percutant, au lieu de ce style parfaitement compassé, équilibré, qui est le sien d'habitude. Et c'est une passion qui nous touche, certes, la passion de la liberté. Quand Montesquieu écrit sur la liberté,
surtout quand il écrit sur la tyrannie. Alors là, le ton change complètement. Ce n'est pas tellement le fond de ce qu'il dit qui est important, à part quelques saillies amusantes du genre « plus le prince est grand, plus le ministre est petit », ce qu'il écrit ne peut pas être applicable à notre temps. Cependant, le ton quand il parle de la liberté est, lui, applicable à notre temps. Écoutez plutôt cet extraordinaire portrait du dictateur, qui est un portrait de Sylla, dans une œuvre de Montesquieu peu connue, Les dialogues de Sylla et de Crate. J'aime à remporter des victoires, à fonder ou détruire des États, à faire des ligues, à punir un usurpateur. Mais pour ces minces d'États et de gouvernements, où les génies médiocres ont tant d'avantages, cette lente exécution des lois, cette discipline d'une milice tranquille, mon âme ne saurait s'en occuper. Je ne me suis jamais piqué d'être l'esclave ni l'idolâtre de la société de mes pareils. Cet amour tant vanté est une passion trop populaire pour être compatible avec la hauteur de mon âme. Je suis uniquement conduit par mes réflexions et surtout par le mépris que j'ai eu pour les hommes. J'ai étonné les hommes, et c'est beaucoup. Repassez dans votre mémoire l'histoire de ma vie. Vous verrez que j'ai tout tiré de ce principe et qu'il a été l'âme de toutes mes actions. Eucrate tire d'ailleurs une conclusion sévère de ce portrait du dictateur. Seigneur, il est heureux que le ciel ait épargné au genre humain le nombre des hommes tels que vous. Nés pour la médiocrité, nous sommes accablés par les esprits sublimes. Pour qu'un homme soit au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres. Dans l'analyse des causes de la dictature, des enchaînements qui y conduisent, Montesquieu est également très remarquable. Quand les dieux ont souffert que Sylla se soit fait impunément dictateur dans Rome, ils y ont proscrit la liberté pour jamais. Il faudrait qu'ils fissent trop de miracles pour arracher à présent du cœur de tous les capitaines romains l'ambition de régner. Enfin, on peut exhumer des considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Ce livre le moins lu de tous les livres de Montesquieu, on peut exhumer un texte assez extraordinaire où il analyse avec une perspicacité sans défaillance comment des guerres coloniales peuvent constituer un danger pour les républiques. Lorsque les légions passèrent les Alpes et la mer, les gens de guerre qu'on était obligé de laisser pendant plusieurs campagnes dans les pays que l'on soumettait perdirent peu à peu l'esprit de citoyen. Et les généraux qui disposèrent des armées et des royaumes sentirent leur force et ne purent plus obéir. Les soldats recommencèrent donc à ne reconnaître que leur général, à fonder sur lui toutes leurs espérances et à voir de plus loin la ville. Ce ne furent plus les soldats de la République, mais ceux de Sylla, de Marius, de César, de Pompée. Rome ne put plus savoir si celui qui était à la tête d'une armée dans une province était son général ou son ennemi. Un cri du cœur lui échappe d'ailleurs. Un cri du cœur étrange chez cet homme tellement attaché à ses biens, à ses privilèges, à sa noblesse. La guerre de Spartacus était la plus légitime qui ait jamais été entreprise. Arrêtons-nous ici parce que ça, c'est très important. Car enfin, la guerre de Spartacus, la révolution des esclaves, c'est la première grande révolution de tous les temps. Spartacus ici, c'est un symbole. La guerre de Spartacus, c'est toutes les révolutions des opprimés. Spartacus, en 1789, c'était le tiers-État. Spartacus, en 1848 ou en 1871, c'était le peuple de Paris. Spartacus, en 1917, c'était le prolétariat. Spartacus, aujourd'hui, c'est toutes les nations dominées qui luttent pour leur indépendance nationale. Est-ce que Montesquieu était vraiment l'homme qui lutter aux côtés des opprimés, ou tout au moins l'homme qui approuvait la lutte et le combat des opprimés. Un grand révolutionnaire, un authentique révolutionnaire l'a cru. Jean-Paul Marat, qui écrivait en 1789 « On reproche à Montesquieu d'avoir quelquefois manqué d'énergie.
et on l'oppose à Rousseau. Quelle différence entre ces deux hommes? Rousseau n'a pas craint de soulever contre lui l'autorité, j'en conviens. Mais il n'avait rien à perdre à la persécution. Il portait partout avec lui son génie, sa célébrité. Sa gloire ne pouvait qu'y gagner. Mais Montesquieu avait une grande fortune en fonds de terre. Il tenait d'une famille notable. Qu'est-ce à dire? Que pour Marat, Montesquieu, c'est un révolutionnaire de cœur qui masque son ardeur révolutionnaire profonde derrière une prudence qui tient à ses biens, à sa famille, à sa notabilité. Eh bien, ce n'est probablement pas la bonne interprétation. Et les interprètes modernes de Montesquieu, au contraire, tentent, eux, à l'interpréter d'une façon tout à fait opposée. Pour eux, Montesquieu, ce n'est pas un conservateur, ce n'est pas un révolutionnaire de cœur qui masque derrière une prudence conservatrice ses goûts profonds, c'est l'inverse. Montesquieu, c'est un conservateur de cœur qui a masqué ses sentiments conservateurs derrière une logomachie, un vocabulaire à la mode au XVIIIe siècle, un vocabulaire novateur. Car au fond, toute la politique de Montesquieu, toute son œuvre, tend à justifier un gouvernement par l'alliance de la monarchie et de la noblesse. Et pour lui, le gouvernement modéré, c'est le gouvernement où un monarque est équilibré par la noblesse. Et quand il hait tellement la tyrannie, ça n'est pas parce que la tyrannie, c'est le gouvernement d'un homme, c'est parce que c'est le gouvernement d'un homme qui détruit non seulement les libertés du peuple, mais surtout et avant tout les libertés de la noblesse. Et on a pu porter ce jugement sévère, mais probablement juste finalement, sur Montesquieu. Cet opposant de droite a servi dans la suite du siècle les opposants de gauche avant de donner des armes dans l'avenir de l'histoire à tous les réactionnaires. Ceci dit, l'explication est peut-être un peu simpliste. Parce que Montesquieu avait tout de même un amour assez authentique de la liberté. Parce que au fond de lui, il y avait ce tempérament libéral qui sera le tempérament de tous les libéraux du XIXe siècle. Et je sais bien que cela ne les empêchera pas en 1848 et en 1871 d'assister impassible au massacre du peuple parisien ou même d'y participer. Mais tout de même, au départ, ils ont donné le branle. Et puis, il y a dans Montesquieu quelque chose de beaucoup plus profondément révolutionnaire. Mais quelque chose de révolutionnaire à son insu. Au fond, ce qui reste de Montesquieu aujourd'hui, c'est l'impulsion qu'il a donnée à la recherche scientifique dans les sciences sociales. Auguste Comte avait remarquablement vu que l'œuvre essentielle de Montesquieu, c'est d'avoir créé la sociologie moderne. Montesquieu le premier a considéré les phénomènes politiques comme aussi nécessairement assujettis à d'invariables lois naturelles que tous les autres phénomènes quelconques. Pour la première fois depuis l'essor primitif de la raison humaine, l'idée générale de loi se trouve enfin correctement définie envers tous les sujets possibles, même politiques. Je rappelle cette illustre définition des lois suivant Montesquieu. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Qu'est-ce à dire? Jusqu'à Montesquieu, on étudiait les hommes, les sociétés, pour les justifier. On les étudiait sous l'angle de la morale, de la métaphysique, de la religion, pour défendre l'ordre établi. Montesquieu va étudier les hommes, les sociétés, scientifiquement. Et ceci est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que il va tendre à démystifier les mécanismes par lesquels les gouvernants obtiennent l'obéissance des gouvernés. Machiavel a écrit une phrase qui va très loin. Gouverner, c'est faire croire. Qu'est-ce à dire? Gouverner, c'est mentir. Gouverner, c'est dissimuler. Gouverner, c'est cacher. Eh bien, la recherche scientifique dans le domaine social, la science de la politique, tend à faire connaître aux hommes les moyens par lesquels on dissimule, les moyens par lesquels on cache, les moyens par lesquels on ment. C'est-à-dire que l'on ne pourra plus mystifier réellement les gens quand ils connaîtront les mécanismes de la mystification. Certes,
On en est encore très loin. Mais c'est Montesquieu qui le premier a ouvert cette voie, et c'est un immense mérite. Est-ce à dire que c'est un révolutionnaire inconscient? Est-ce à dire qu'il a fait cette révolution sans l'avoir voulu? Peut-être pas complètement. Car s'il avait la passion de la liberté, il avait aussi une passion de la vérité. Oh, certes, comme toutes les passions de Montesquieu, une passion modérée, il a écrit « Je voudrais bien être le confesseur de la vérité, non pas son martyr. » Ce n'était pas un homme très courageux, penserez-vous. Pour ma part, je pense que son mérite est d'avoir osé écrire ce que tant n'osent pas écrire, et d'avoir osé avouer ce que tant n'osent pas avouer. Oui, Montesquieu n'était pas un héros, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre.